It's the last evening in Lisbon. C'est la dernière soirée à Lisbonne avant de partir au Cap Vert. So tomorrow we're heading to Cabo Verde. It's going to be so exciting. Le lendemain matin, donc on prend un petit déj, on se lève hyper tôt. It's very early. It's 6. It's half 6 actually. On est à l'hôtel Ibis qui n'est pas très loin donc de l'aéroport à 3 arrêts. C'est très pratique. This hotel is only 3 stops away from the airport, which is very convenient. How does this work? Une machine à... Bon voilà, c'est tout ce que je vais prendre ce matin. This is all I'm having this morning. À Lisbonne, le masque demeure encore dans les transports. In Lisbon, you still need to keep the mask in the underground. We will be landing in Praia, which is the capital of Santiago. Nous allons atterrir à Praia, la capitale de Santiago. Oh, don't forget to switch off your cellular data, otherwise you will regret it. N'oubliez surtout pas d'éteindre vos données cellulaires, sinon vous allez le regretter, la facture sera très salée. La durée de vol entre Lisbonne et Praia, c'est environ 4 heures. Au départ de Paris, il faut environ compter 6 heures. It will take you approximately 4 hours from Lisbon to Praia, or 6 hours from Paris. Alors, voyons ce qui nous attend dans cette boîte. Un petit gâteau salade, du fromage, des crackers. Nous arrivons enfin et le paysage est complètement différent. We are arriving and it's completely different from Europe. It's very dry. C'est très sec. Il n'a pas plu depuis 7 mois. It hasn't been raining for 7 months. Passer le service d'immigration, de contrôle sanitaire. À notre arrivée, nous n'avons pas eu à prendre de taxi car nos hôtes avaient prévu qu'un conducteur de Colectivo vienne nous chercher. Our host organized for a Colectivo driver to come and pick us up, so we didn't have to take a taxi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'a pas plu pendant 7 mois. Et à notre arrivée, la pluie nous accueille. As I said earlier, it hasn't been raining for about 7 months. And when we arrived, it was raining. What a blessing for the island. C'est vraiment une bénédiction pour cette île qui a vraiment besoin d'eau. Water is so precious here. Tandis que les paysages défilent devant moi, je ressens un profond bien-être. C'est inexplicable. Tout ce que je ressens, c'est que je vais aimer. As I'm watching sceneries passing in front of my eyes, I don't know how to explain it, but I feel so good and I know I'm going to enjoy it. Après 2 heures de route, on arrive enfin au village de principal. After 2 hours, we finally arrived in the little village, in the small village of Principal. Nous sommes accueillis par Yolanda et Johannes dans leur restaurant épicerie. La vue est magnifique. We are welcomed by Yolanda and Johannes in their restaurant, and the view is so beautiful. Bienvenue au Cap Vert avec un magnifique repas. On est en train de jouer à ce jeu qui s'appelle comment encore? Oro. Oro. L'or. L'or. Et donc, le but du jeu, c'est d'avoir le plus de pierres. Moi, j'ai récolté tout ça pour l'instant, mais je sens que j'ai une petite surprise qui se prépare au vu de ce qu'a mon adversaire combat. J'ai déjà commencé à manger. Ça, c'est du... comment elle appelle? Salomon. Du salomon, je connaissais pas du tout. C'est une espèce d'ici, une espèce
qu'on trouve en mer. On a voulu en savoir un petit peu plus sur ce poisson parce que le nom nous intriguait. Ça s'appelle salmon, ça, comme saumon, mais en fait, ce n'est pas du saumon. It's not salmon, actually. So, we wanted to find out a bit more about this fish. In English, it's also called rainbow runner because it's very fast. Le nom latin, c'est Elagatis bipinulata. Wow! Donc, nous voici dans notre petite accommodation. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité, mais le maire travaille dessus. Because of the rain, we didn't have electricity for the first couple of days, but it came back very quickly. It was fixed. Le studio est fidèle aux photos, c'est propre, ça sent bon, on est bien. Même si on n'a pas vraiment utilisé la cuisine, c'est toujours bien d'en avoir une pour se faire un petit café, un petit truc à grignoter rapidement. The accommodation is just like in the photos, you get what you see. There is a kitchen. And it's great when you want to cook something quick or have a cup of coffee or tea, but we didn't really use it. La nuit tombe très vite ici. Night falls very quickly. Ici, on se lève avec les premières lueurs du soleil, le chant des coqs et des animaux dans la vallée. C'est un dépaysement garanti, j'adore ça. Alors là, on a des vaches qui sont en train de manger. We have a 5 to 10 minute walk to join the restaurant where we can have a delicious breakfast. Il nous faudra 10 minutes de marche pour rejoindre le restaurant où nous attend un bon petit déjeuner. C'est ça, hein? C'est de la confiture de figues. Ça, c'est de la confiture de papaye et de banane. C'est fait maison? Oui. Non, la... Super. La figue, non. Tout est fait maison. All is homemade. Sauf la confiture de figues, évidemment, il n'y a pas de figues là-bas. Only the fig jam was not made because there are no figs over there. On va prendre un Hilux et on va monter. Donc le Hilux, c'est la marque de ce pick-up qui sert de transport. This is a transport, guys. I will make a separate video for the different mode of transportation. Il y a tellement à dire sur les transports que je vous ferai une vidéo complètement à part. On arrive à Tarrafal, c'est notre premier jour, c'est la découverte. We are arriving in Tarrafal. It's our first day. We are so excited to visit. Alors, on cherchait la plage. We were looking for the beach. We thought that was the beach. On pensait que c'était ça la plage, mais non. This is not Tarrafal Beach. Je vous montrerai la vraie plage dans une autre vidéo. I will show you the real one in another video. Maison portugaise, de style portugais. Some people are so nice. We asked where we could eat some moray and the guy took us there, Nelson. J'ai rencontré Beleni. We met Beleni, a sweet young lady who works in this bar restaurant. And her dream is to go to Portugal. On a rencontré Beleni, qui travaille dans ce bar. C'est une jeune femme touchante qui rêve d'aller au Portugal. Tandis que nous sommes à la recherche de nature et d'authenticité, d'autres sont à la recherche d'urbanité et surtout de beaucoup plus d'opportunités. Merci beaucoup. Après, je voulais charger mon téléphone, donc on a trouvé ce petit café sympa, un peu rétro. Et on s'est posé. In this beautiful coffee shop, I managed to charge my phone and also get access to some Wi-Fi. Alors, qu'allons-nous manger? What are we going to eat? Prices start from 300 escudos to 1,500 escudos. Donc, les prix partent de 300 escudos à 1,500 escudos. This is typical from here. You have to taste it. Ça, vous devez le goûter. C'est typiquement d'ici. Okay, let me try to pronounce it. Normally, it's shereng. S'il y a des Capverdiens ici, dites-moi si j'ai bien prononcé. C'est bien shereng. Maintenant, nous avons bien mangé. Nous sommes installés dans le Hilux
Et tant qu'il n'est pas plein, le chauffeur ne partira pas. Nous allons à Ribeira da Prata. Our meal was delicious. Now we're heading to Ribeira da Prata. And if the pickup is not full, like you can see now, the driver will not leave. He will wait until the pickup is full. Bem-vindo a Ribeira da Prata. Ribeira. Já valei de l'argent. Bem-vindo a Ribeira, a Vila de Ribeira da Prata.